Bonjour à tous, bienvenue à Avranches en Normandie où Sylvie de Job & Box a une mission pour moi. Bonjour Jerry, bienvenue en Normandie. Merci. Alors moi j'ai une mission de conducteur de ligne à la biscuiterie Saint-Michel à te proposer. Bah écoute, mission acceptée. Allez, je te donne tes chaussures de sécurité, dépêche-toi, je compte sur toi. Rendez-vous à la biscuiterie Saint-Michel où Charlotte t'attend. Merci. Bonne mission. Alors ici, on peut enlever nos bouchons, on va mieux s'entendre, parce que là-bas, c'est un peu bruyant. Donc, ravi de te rencontrer, Thierry. Bah, ravi de découvrir ton quotidien. Explique-moi justement en quoi consiste ton métier. Alors, mon métier, en fait, il consiste à contrôler la qualité et la conformité des produits. D'accord. Voilà, gérer le personnel que j'ai sur ligne. Combien de personnes ça représente? 4, 8 à peu près. Ok. Voilà. On gère aussi les nouveaux arrivants. Comme moi? Comme toi aujourd'hui, donc on leur explique les règles d'hygiène, de sécurité, très important à Saint-Michel. On les accompagne aussi tout au long de leur journée pour leur expliquer les différents postes. Voilà, on gère les changements de format, on va chercher les bobines de film, les cartons, tout ça pour changer. S'il y a des problèmes, c'est nous aussi qu'on appelle. Ok, et alors ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui? Alors à la base, moi j'ai un BTS MUP, donc dans le commerce. Donc rien à voir? Rien à voir du tout avec ça. Voilà, je suis arrivée ici par hasard. Le hasard fait bien les choses. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai été formée sur les machines. Après, on m'a formée en tant que chef de ligne. Et j'ai passé une formation où je suis diplômée de chef de ligne. D'accord. Combien de temps, ça, la formation? Elle a duré un an. D'accord. Ok. Donc, l'évolution est possible. Et pourquoi tu aimes ce job, toi? Pourquoi j'aime ce job? Parce que on est autonome. Voilà, c'est nous qui gérons notre ligne. On est responsable de notre ligne. L'ambiance, le contact avec les gens, c'est des horaires où on peut se permettre d'avoir du temps libre pour nous après sans problème. Et pourquoi t'aimes travailler chez Saint-Michel? Alors chez Saint-Michel, parce qu'il y a un très bon esprit d'équipe, tout le monde on s'entraide et tout. Et puis faut savoir aussi que c'est une marque qui évolue beaucoup. Donc la preuve, on part en pâtisserie et donc on évolue avec des machines et tout. Donc nous, on apprend des savoir-faire, des connaissances. Beaucoup d'innovation. Voilà, beaucoup d'innovation. Et quelle qualité il faut pour finir, pour travailler dans ton équipe? Alors, je pense qu'il faut être dynamique, avoir un très bon esprit d'équipe et être quelqu'un d'organisé. Et jamais tu manges de galettes? Si, quand même. Des fois, on a des petits creux, on a le droit d'en manger quand même. On a le droit d'en manger? Ouais, un petit peu. Je vois que tu en as envie. Tu viens, on va goûter? Allez. Bon Charlotte, merci beaucoup pour la galette et la découverte de ton métier. De rien. Bon, moi j'ai d'autres missions à remplir avec Job & Box. Par contre, vous avez sans doute le profil pour ce job, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Charlotte, elles sont trop bonnes tes galettes. Je pourrais pas travailler ici, j'en mangerai tout le temps.